Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble, avec notre Google Home, quelques phrases clés bien appréciables lorsque vous avez minimum de Google Home. Qu'est-ce que l'on peut envoyer ? Je vous ai fait dernièrement une vidéo sur comment transformer son Google Home en mode interphone. Et en plus, aujourd'hui, avec un mot-clé très spécifique, et très dirigé, vous allez pouvoir lancer des appels à toute la famille via une commande un peu spéciale. Cette commande, je vais vous la dire dans cette vidéo. Merci à vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, il y aura une petite surprise à la fin de cette vidéo où je vais vous mettre les derniers bruitages de notre Google Home. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Vous allez apprécier ces bruitages, car ils sont d'une durée de 1 heure, ce qui veut dire que vous pouvez transformer votre maison en un vrai nid douillet avec ces bruitages très sympathiques. Allez, merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et surtout de partager avec vos amis. Alors, la phrase clé que l'on va dicter à notre Google Home pour avoir un retour direct sur notre Google Home au niveau de l'interface, elle va être de demander à notre Google Home de faire annonce que c'est l'heure du petit déjeuner. Ok, je transmets ça tout de suite. À table. Annonce que il est temps de se lever. Ok, je transmets ça tout de suite. Bonjour, il est l'heure de se lever. Annonce que le film va commencer. Ok, je transmets ça immédiatement. Le film va commencer. Annonce que il est temps d'aller au lit. Ok, je transmets ça immédiatement. C'est l'heure de se reposer. Bonne nuit. Annonce que je viens d'arriver à la maison. Ok, je transmets ça immédiatement. Bonjour, Christophe est arrivé. Annonce que il est temps de partir. Ok, je transmets ça tout de suite. C'est l'heure d'y aller. Annonce qu'il est l'heure d'aller au lit. Ok, je transmets ça immédiatement. C'est l'heure de se reposer. Bonne nuit. Voilà, donc comme vous l'avez compris, le mot-clé, la phrase-clé est qu'il faut demander à notre Google Home annonce que. Annonce que est la suite de la phrase. Annonce que il faut aller faire. Annonce que, voilà, c'est important. Si vous ne l'énoncez pas exactement de cette façon, vous n'aurez pas les petits bruitages très sympathiques que nous offre le Google Home aujourd'hui. On va aussi donc pouvoir lui demander les tout derniers nouveaux bruitages. Donc ceci est dans la suite de la vidéo. Merci de la suivre jusqu'à maintenant. Et c'est parti pour les bruitages. Voilà donc. Ici, je vais vous présenter les derniers bruitages qui nous sont offerts par notre Google Home. Ce sont des bruitages d'une durée de 1 heure, ce qui permet d'avoir un petit environnement sympathique à la maison. Et par rapport aux autres bruitages que je vous avais déjà présentés, l'avantage ici, c'est que vous avez 1 heure de bruitage. Vous pouvez même avancer sur la plage en lui demandant d'avancer de 20, 30 ou 15 minutes, comme vous le désirez. Ici, on va lui demander, OK Google, bruit de la pluie. Avance de 15 minutes. Bruit de la tempête. Voici le bruit d'un orage. Avance de 15 minutes.
bruit de la cheminée. Voici le crépitement d'un feu de cheminée. Voilà donc ces derniers bruitages qui sont très agréables sur ce petit bruit de crépitement de la cheminée qui est vraiment un bruit super sympathique à entendre dans une maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En image, je vous ai mis ce petit feu qui crépite. J'espère que cela vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne pour continuer à m'encourager. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !